Salut tout le monde, c'est Jacques, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est sur Subnautica Below Zero Frostbite pour une nouvelle vidéo. Regardez-le celui-là. Regardez-le celui-là, là. Il est coincé là-haut. Donc, les gars, qu'est-ce qui se passe? Bon, je pense que là, on a fini. Enfin, je pense avoir fini le jeu. Pour l'instant. Je dis bien pour l'instant, parce que, bah voilà, comme il est encore en accès anticipé, il y aura encore. Je pense qu'il y aura, il y aura la suite, mais pas pour l'instant. Là, je suis en train de me fabriquer. Un truc de téléportation pour le Citrec, donc on va tester ça. On va tester ça, mais avant, bah, ce que je voulais vous dire, c'est que bah oui, je pense que. Ouais, d'accord, je suis sorti de l'eau, tu me dis bienvenue, toi. D'accord. Donc, oui, comme je vous disais, je pense que là, on a terminé. Parce qu'en fait, bah, j'ai visité tout. Hein. J'ai vraiment été partout, les gars. J'ai visité tous les coins, tous les recoins, donc pour l'instant, il n'y a vraiment plus rien. Donc il va falloir qu'on attende prochaine mise à jour pour voir si j'ai été faire Alan. Comme vous avez vu dans la dernière vidéo, on s'est fait Alan. Alan est terminé. L'autre il est juste à mon cul, il va me chicoter celui-là. Voilà, ça je m'en doutais. Et deux fois en plus. Petit salopard. Oui, donc j'ai été voir Alan. Alan, lui, est terminé. Mais voilà, il ne m'apprend rien. Donc si j'avais des dialogues, bon. Les dialogues étaient pas encore. Ils s'affichaient pas, malheureusement. Mais si j'avais des dialogues, je vais vous montrer ça. Attendez, je récupère un peu de matos qu'elle a là. Histoire de dire, comme ça après on retourne à la base et on va pouvoir tester le nouveau truc là, parce que j'ai jamais testé ça. Donc comme je vous disais, oui, par rapport à Alan, Alan on a terminé. Alan c'est fini. Et du coup j'ai pris le. Une fois que ça a été terminé, je m'attendais à ce qu'il y ait un dialogue, quelque chose, j'ai rien eu. Donc ce que j'ai fait c'est que bah, j'ai pris le prône. Avec le prône je me suis rendu comment dire. Je me suis rendu au bassin glacial. Au bassin glacial bah, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour franchement je crois que j'ai tout fait au bassin glacial. J'ai plus rien à faire. J'étais même à la clé bleue. Enfin j'ai vraiment été vraiment partout partout. Donc ça c'est bon. Non là un goût de plastacier il faut quoi. De lithium. Ok. Oui, je suis retourné, comment dire. Ça c'est quoi, c'est du plomb, j'en veux pas. Lithium. Ah, j'en ai qu'un lithium. Il va m'en falloir un autre, il va falloir aller chercher un peu de lithium, les gars. Donc oui, comme je l'ai dit, j'étais à la greenhouse de Marguerite. Je suis retourné là-bas, là-bas il n'y avait rien. Donc je suis retourné à la base de Marguerite. En fait, Marguerite, elle avait déménagé, elle était plus à la greenhouse, elle était repartie à sa base. Donc je suis retourné à sa base là-bas. Là-bas, elle me dit rien, elle est assise avec son pote qui est à côté d'elle. Et comment elle dit rien quoi, elle parle pas, il y a aucun mot, il y a rien. Donc bon, ça c'est pareil, un petit peu chiant. Non, ce que je vais faire c'est que je vais prendre le Citrec je pense, parce que le lithium il est un peu loin. Donc elle m'a rien dit, j'ai été visiter le labo qui est en bas, qui est en profondeur là dans le biome vert. Bah c'est pareil, pas de nouveauté. Oh pardon, pardon, pardon. Pas de nouveauté. Rien du tout. Donc après j'étais où encore? Oui j'étais à la base du début qu'on survole au début. Bah, c'est pareil, il n'y a rien. Il nous indique rien du tout. La base du début où on la survole avant de cracher. Bah, c'est pareil, j'ai été la visiter. Bah, j'ai rien trouvé d'extraordinaire. Ça nous dit rien, ça nous apprend rien d'extraordinaire. Il y en a un là. Oh, bah, c'est parfait ça. Voilà, faut que je pense à. À prendre du lithium la prochaine fois. Voilà, nickel. Donc oui, comme je vous dis, ça nous apprend rien du tout. Je suis retourné où? Je suis retourné au bassin... non, au cargo rocket. Cargo rocket, bah, il n'y a toujours rien. Donc après, j'ai été me renseigner un petit peu. Voilà, mais normalement, au cargo rocket, il y a une grosse antenne qui devrait être là. Comment dire? Enfin, il y a pas mal d'endroits que j'ai été visiter, en fait, qui sont pas encore tout à fait terminés. Donc du coup, bah, voilà, ça reste, j'ai des blancs ou j'ai rien du tout qui s'affiche carrément. Comme les dialogues, généralement les dialogues, bah, j'ai pas de son. J'ai pas de son ou j'ai pas le texte qui va apparaître. Donc comme vous voyez, quand on va aller ici, voilà. J'ai tout ça qui se met en route. Avec Alan la dernière fois, alors que bah, j'avais aucun dialogue, j'avais aucun sous-titre, j'avais rien du tout. Alors que bah, il m'a vraiment parlé quoi. Donc je sais pas. Je sais pas, faudra sûrement attendre la suite les gars. Pour qu'on puisse bah pour qu'on puisse voir la fin de cette histoire.
Allez, monte, fais voir. Qu'est-ce qui se passe là? Eh ben vas-y. Ah, ça me fait carrément un module. Alors j'espère que ça va pas me faire comme le prone, parce que le prone il est resté en l'air, les gars. Il a fallu construire une base. Enfin, laisse tomber, j'ai fait des trucs de ouf. Alors en espérant qu'il tombe. Parce que sinon, franchement, c'est le bordel. C'est le bordel. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Alors celui-là, je connais pas. Celui-là, je l'avais jamais fait. C'est quoi ça? D'accord, ça doit être le truc de transfert. Sortir. Ah, non, non. Bah écoutez. Je pense qu'on va tester. Je pense qu'on va tester ça. Si on peut se retrouver dans le biome là-bas, on va tester ça. Parce que bon, j'ai. Après, c'est pareil, des téléporteurs. J'ai trouvé que deux portes de téléporteurs. Donc je pense qu'il va falloir que je prenne un petit cubaillon. Ça doit être ça là, je pense. Un téléporteur. Ouais, c'est ça. Faites voir un peu. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc, alors attendez. C'est ça, je connais pas. Ça, je connais pas du tout, les gars. On va juste faire le petit test. Voir. Ah, pardon, pardon. On va juste faire un petit test, voir un peu comment ça fonctionne, ce truc-là. Tac. Tac. Ok. Donc, alors, si je prends un téléporteur, là. Oh putain, ça m'a fait direct. Oh merde. Ah bah il m'a ramené ici. D'accord. Là j'ai plus de cubaillon. Si. Donc normalement je dois pouvoir le refaire. Attendez. Attendez les gars. Parce que là c'est intéressant. Là. Il est où? Il est là le truc. Ok. Donc. Si par hasard je me mets par là. Et que là on prend le 4. Oh, il y a des bruits bizarres là. Hein? Et là je fais ça. Non, ça marche plus. Pourquoi ça marche plus? Il est pas rechargé, alors je sais pas. Changer d'énergie. R. D'accord, ok. D'accord, j'avais pas compris. D'accord, en fait ça se recharge. Et là, hop, on s'en va. Il va nous ramener où? Il nous ramène au Citruck. Ah, oh, c'est magnifique ça. Ça, c'est magnifique. Et alors, attendez. Ah, par contre, ça coûte à chaque fois un cube. C'est ça? C'est ça. À chaque fois, ça coûte un cube. Ok. Mais ça, c'est une bonne machine en fait. Hein. Ça, c'est pas mal du tout. Hein. Parce qu'en fait, ce qu'il nous faut, c'est à chaque fois avoir un petit cube à ion sur nous. Et à partir de là, bah, tu t'en vas où tu veux. Ah ouais, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal du tout, les gens. Ça c'est vraiment bien. Donc là, hop, toi je peux te mettre ici. Voilà. Ah ouais, ça, bah ça, vous voyez, ça c'est un bon petit truc. Ça c'est quelque chose qui est pas trop mal. Donc le truc c'est qu'il faudra que je retrouve des cubaillons. Parce que là maintenant, du coup, j'en ai plus qu'un. Hop, cubaillon. Voilà, j'en ai plus qu'un, mais bon, ça c'est faisable. Mais bon, par rapport à l'histoire, les gars, bah, comme je vous disais, bah, je pense que là, bah, c'est terminé pour l'instant. Il va falloir attendre la suite. Donc, si j'ai fait des améliorations, bon, j'ai le couteau de survie amélioré. Et sinon, on pouvait aussi encore améliorer notre bouteille d'oxygène pour avoir le réservoir haute, très haute capacité. Donc, j'étais à 130 secondes ou 135 d'oxygène. Là, maintenant, vous voyez, quand on va aller dans l'eau, enfin, quand il va vouloir se mettre en route, voilà, là, je suis à 220. Ouais, donc j'ai gagné, j'en ai gagné presque 100. Donc c'est pas des secondes, mais voilà, c'est plutôt pas mal. Ça c'est plutôt intéressant. Donc j'ai pas amélioré le couteau, puisque voilà. Mais voilà, il y a encore des améliorations à faire. Donc c'est plutôt intéressant, c'est plutôt sympathique. Et puis par rapport à tout le reste, bah, je crois que les gars, je vous ai tout dit. Hein, je crois que je vous ai tout dit. Tout est là. Ouais, tout est là. Bon, il y a que la douche que j'ai pas fait, hein, les trucs de la base. Ça j'ai pas fait, mais là pour l'instant bah voilà, on attend des nouvelles de Marguerite. Ouais, je pense que Marguerite nous redonnera des nouvelles, je pense qu'Alan nous redonnera des nouvelles aussi, mais par rapport à Alan et par rapport à Marguerite, bah voilà, je sais pas. Et puis bah comme je vous disais les gars, bah je pense que voilà, on va s'arrêter là-dessus pour cette petite aventure pour l'instant, parce que non, je continuerai l'aventure par la suite, mais là pour l'instant bah il faut attendre la prochaine mise à jour de l'histoire pour pouvoir être vraiment tranquille.
Et puis pour voir la suite et la fin de l'aventure. Hein. Parce que là, pour l'instant, bah voilà, on est un petit peu sur notre fin. Je veux savoir ce qu'il y a derrière la clé, la porte blanche. Je veux savoir ce qu'Alan y va faire. Enfin, voilà, il y a encore pas mal de trucs. Qu'est-ce qui est arrivé à Sam? Parce que Sam, du coup, on sait pas du tout où elle est. On sait pas ce qui lui est arrivé ou quoi. Donc, non, non, franchement, voilà. Hâte de voir cette mise à jour et de pouvoir continuer à finir cette histoire. De pouvoir finir cette histoire surtout et de continuer à ce jeu, continuer ce jeu-là. Donc, est-ce qu'il va y en avoir un troisième par la suite? Je sais pas, j'espère. J'espère qu'il nous refera un Subnautica 3. Mais en tout cas, bon, pour l'instant, les gars, voilà. Le jeu est en pause et puis bon, on continuera. Bah, dès que la prochaine mise à jour est là, les gars, vous inquiétez pas. La vidéo, elle arrivera le lendemain ou peut-être le jour même. Ça dépendra de la mise à jour. Donc, bah, mettez-moi des messages dans les commentaires si vous avez kiffé cette aventure. Et puis, bon, on se retrouvera à la prochaine mise à jour. Donc, bah, portez-vous bien. Ciao, bye tout le monde.